les États-Unis avec Haïti. Moi, c'est Jacques Lambelizer avec un grand point cap dominé actualité. Les ententes dans le conseil présidentiel transition après nomination Edgar Leblanc fils comme président et Fritz Belizer comme premier ministre. Actualité à la région Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui rencontre jeudi avec premier ministre Benjamin Netanyahu, parler avec famille otage qui manifestait dans Tel Aviv. États-Unis, la police délogé étudiants manifestants pro-palestiniens dans l'Université Columbia à New York pendant la situation a été chauffée dans UCLA, University California, Los Angeles. Voilà, c'est pour ça avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment dans rendez-vous. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui côté, wap tande et puis garde en même temps vidéo ça. Déjà nous dou bienvenue sur channel là pour nouveau vidéo d'information que nous portons pour avec édition La Voix de l'Amérique si là. Mais parmi quelques autres grand point que n'a gain pour nous après La Voix de l'Amérique là n'a faut qu'on est nèg examio l'autre fois encore attaqué Solino avec zone sous côté lio pendant journée hier nèg fait un pile dégâts. Et l'autre côté n'a faut qu'on est la police reprend contrôle route qui mène dans terminal Varia après 12 jours que toute activité dans terminal Varia ou même yoté campé temporairement à cause des nèg examen même cap simé la troublage dans zone si là. Et l'autre côté n'a pas connait une nouvelle insolite qui passé dans Houston pays les États-Unis côté un employé restaurant en gros problème avec la justice américaine après il te fin metti parti génitale dans un manger wap saisi dans des nouvelles si là lui même vivant ensemble tout ou même yoté envahi dans zone à Port-au-Prince hier soir mercredi 1er mai 2024 là pour ça plusieurs l'autre n'a pas pour nous porter pour dans édition La Voix de l'Amérique ça mais avant même pas oublier si c'est pour la première fois que vous tombez ici abonnez-vous avec channel là et activez la cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucune vidéo pas oublier quitter un like sous vidéo et partager vidéo à toi avec un ami une famille une façon pour capable aider nous grandir communauté channel si là et ben nous pas perdre trop temps à parler en pile n'a pas rentrer avec La Voix de l'Amérique là puis devant n'a venir avec reste détail pour info merci et dès que vous été branché dans moment ça moi même content retrouver nous après quelques jours d'absence nous voilà actualité à nous d'abord dans pays d'Haïti côté conseil présidentiel transition hier franchi yon l'autre étape avec nomination yon président ou bien ça nous yon coordinateur conseil présidentiel transition avec yon premier ministre mais tout ça fait dans yon ambiance qui pour qu'on finisse de gagner entente totale là-dedans en al vivre moment ça. Une entente autour de Edgar Leblanc fils a été trouvée pour que Edgar Leblanc fils soit donc le président du conseil. Selon cet accord, la majorité aussi a profité pour faire choix ou bien pour à proposer un premier ministre. Il s'agit donc de Fritz Belizer. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qu'il y a pour prendre d'abord en matière de sécurité. Donc voilà une première étape dans le cadre de tâches que le Conseil présidentiel de transition a gagné. Et il faut dire que son majorité, donc il y a 4 plus 3, ça fait 7 membres au semblier. On a mis à côté 2 membres qui n'ont pas le droit de vote. C'est d'abord la majorité qui gagne là-dedans Smith-Augustin, Emmanuel Vertilaire, lui Gérald Gilles et Edgar Leblanc. Et puis il y a l'autre groupe là qui sont les groupes minoritaires là qui gagnent 3 membres là-dedans. C'est Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean avec Laurent Saint-Cyr. Mais il y a une pile réaction qui sortit. Et l'autre côté notamment de Montana qui posait question sur Jean Yofel la modalité que Yofel la système méthode que utiliser pour être capable de nommer et président ou bien coordinateur conseil présidentiel transition avec premier ministre donc nomination ça provoqué réaction dans mitan quelques regroupements partis politiques qui étaient signé accord 3 avril là parmi accord Montana et yon l'autre réaction bon côté yon personnalité qui proche conseil présidentiel transition nous gagne sous place Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Après bloc majoritaire dans le conseil présidentiel de transition, fin choisi par consensus, ancien sénateur Edgar Leblanc fils comme président structure ça a désigné Fritz Belizer comme premier ministre pour diriger transition. Certains leaders politiques haïtiens by opinion pour causer ça parmi eux docteur Renan Abswan Chalo qui est vice-président mouvement patriotique pour la vie Mopal qui mandé acteur ça yo assumer responsabilité yo pour éviter un éventuel chaos dans le pays. Yo gagné pour obligation pour ressaisir rapidement et retourner en d'accord là. Accord là lui-même dit clairement qui ça comment ça doit être fait.
accord la dit et que premièrement yo doit ouvrir. Yo doit ouvrir à qui ça? Yo doit ouvrir à d'autres groupes. Ça veut dire pour que gagne près de 6 autres groupes qui t'a doit faire partie de processus là pour faire choix pour faire et pour capable proposer premier ministre et pour participer dans l'autre et chantier qui gagne. Il faudrait bien que nous fassions. Conseil là avec ensemble de 9 membres qui gagne, faut qu'il montre plus de leadership pour les rencontrer ensemble de l'autre monde qui parle dans conseil là, ensemble de l'autre entité qui parle dans conseil là pour que yo commencer garder les grands chantiers que nous croyons qui attendent nous, particulièrement question sécurité, question conférence nationale, la vie chère, question élection. Docteur Chalot exhorte 9 membres conseil présidentiel transition pour yo éviter division entre CPA dans intérêt collectivité. N'a pas rappelé Edgar Leblanc-Fils, président conseil présidentiel là, c'est ancien sénateur qui était président Sénat haïtien pendant 5 années. Sorti 1995 pour arriver 2000. Lui, c'est président parti politique organisation Peuple Cap Lutte OPL. Bogodipal, premier ministre désigné. Fritz Belizer, c'est un ancien cadre dans le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et ancien ministre Sport et Service civique, Wena Toussaint, pour VOA Creole. Port-au-Prince. Merci, Wena Toussaint. Conseil présidentiel transition, après le prend. Et Maya, dans le moment que le pays a fait face à une crise sans pareil, avec plusieurs dimensions, notamment des questions de sécurité, mais des problèmes tout économiques, la vie chère, problèmes sociaux et autres. Et c'est comme ça, plusieurs citoyens haïtiens, eux-mêmes, dans la deuxième ville pays, on a parlé de Cap Haïtien, et bien, il y a pour vendre gaz dans la rue pour combattre la vie chère avec la misère. On a regardé ça plus près avec Fred Gaimit. En plus, citoyens haïtiens entrent dans l'activité de vendre gaz comme moyen pour survivre. Dans moment côté famille a combattre la misère. La Cap Haïtien deuxième ville pays a et station gaz met restriction sous les fonctionnements yo. D'après agence nouvelle Reuters qui rapporte manque gaz dans quelques parties dans pays a. Le vendeur gaz yo al vendre dans la rue dans localité côté mon yo pas ka joindre ni. Citoyen ça, Saint James qui était compte vendre accessoires pour téléphone mobile mais il était tout profiter à cause manque gaz là pour les laguer colline dans commerce vendre gasoline. Bon, situation gaz là en Haïti, c'est comment? Donc par exemple, quand plus le monde cap critiquer nous même machin cap vendre lui. Pour bon, bon mais c'est pas nous même bail là va sortir dans nous même. Vous imaginez autant pour par exemple, c'était pas nous même attaquer machin cap vendre dans petit galon. Grand pile plein, vous comprenez? N'ta dit qu'a dit pour payer, t'a senti bloqué parce que le gars il pas gagne gaz cap vendre, c'est nous même petit machin cap dégager nous. On a acheté en gros dans l'autre monde, dans l'autre gros machin. Et puis tout nous même nous vendre dans petit galon. Mais des monde qui critiquer nous de ça, mais on va comprendre comment, yo pas tant pour imaginez ton pour essayer de poser ta question pour que ça nous mène nous sortir avant dans ce galon. Et James continue pour le dire nous en tant que jeunes dans un pays qui pas de travail, ni pas gain l'autre choix qui fait activité si là. Imagine nous même si jeunes, nous pas gagne affaire, comprendre. Ou pas demander monde. Pas qu'à toute journée demander monde, tant qu'à demander un monde. Chaque fois lever demander un monde 50 gourdes, comprendre et pays a pas de travail tout. Ou vous n'obligez c'est le dégage sous bon $500 dans monde. Obligé acheter deux galons et puis tout ça même. Pour jeter ton façon, on va calmer, on va le voler tout. Haïti dans une situation malouque à cause d'augmentation d'activité de violence gang depuis le mois février passé. Gang qui font alliance entre eux, ont causé gros désordre dans la capitale là. Côté où ont coupé route, ni en l'air, à terre. Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, dit qu'il y a plus passé 2500 monde qui mourir ou soit blessé dans la période mois janvier à mars 2024 là. L'escalade de la violence a eu des conséquences dévastatrices sur la population. Chiffre ça qui augmenté 53% en plus comparé à 3 derniers mois dans l'année 2023. Yo. Situation sécurité ça en Haïti forcé plusieurs milliers de monde pour quitter Kayo, ça qui causait tout une catastrophe grand coup. Merci Fred Kaimit ou sous VOA Creole ou suivre le programme dans l'Ankol haïtien. Nous pral tout à l'heure dans New York avec manifestation qui continue dans gros université yo, surtout dans New York avec Californie. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. VOA Creole a présenté une émission spéciale pour Journée internationale de la presse. Côté famille. Important, émission spéciale. Branchez VOA Creole. Parce que pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. Alvan Dinala.
Étudiants manifestants pour parler signer ont occupé un building dans l'Université Columbia, bien bonheur m'a dit en Traville. Ça qui a augmenté tension avec l'administration de l'école là, qui a commencé à suspendre étudiants parce qu'ils ont refusé de démonter tant qu'ils ont mis sous campus universitaire dans New York. La police de New York a débarqué, entré dans la cour Columbia Université dans Assouet pour arrêter et disperser manifestants qui ont même occupé et installé tant sous campus de l'école là pour presque deux semaines. Manifestation élèves pour parler signer ont gagné dans plusieurs douzaines d'autres écoles à travers les États-Unis pendant le dernier jour pour exprimer opposition contre la guerre Israël dans Gaza. La police a commencé à perdre patience. Sac manifestants yo, yo te utilisé gaz lacrymogène ak teasers pour yo empêcher manifestants yo occuper campus yo dans plusieurs universités. Avec quantité manifestation qui a augmenté à travers l'école yo, activistes yo a demandé pour yo suspendre tirer on cesse le feu dans la guerre Israël là ak Hamas. Yo mandé tout pour université yo couper lien yo ak pays et compagnie qui ont même à profiter dans conflit la guerre ça. Jodi mercredi 1er mai à UCLA University dans Californie, rejoindre mouvement manifestation étudiant yo à travers pays ya. La police a arrêté plus passé 200 manifestants jodi mercredi ya dans université dans Los Angeles, Boston ak Austin dans Texas, côté que environ 2000 monde t'est rassemblé matin. Dans le collège Emory, dans Atlanta, la police a plité Marie Goumé avec manifestants sous gazon universitaire qui ont été occupé. Département de la police Atlanta a dit que la police a répondu à demande aide que l'école a été fait et a été rencontré avec violence dans les mains étudiants et a été obligé de répondre à gaz lacrymogène. Dans l'université Sud California, dans Los Angeles, il a été arrêté 93 personnes qui ont manifesté jeudi mercredi. Et autorités ont dit qu'ils ont annulé la cérémonie de graduation étudiants qui prévoit pour date 10 mai. Dans Emerson College dans Boston, les médias locaux ont rapporté que la classe a été annulée après que la police a fait face à manifestants dans la nuit hier et a été arrêté 108 personnes. Washington, étudiant Georgetown à George Washington University, t'es établi une camp solidarité sous campus l'école là. Manifestation t'es blaï avec plusieurs tentes montées sous campus l'école yo, dans New York University à Yale University. Dans toutes deux l'école ça yo, la police t'a arrêté plusieurs étudiants à commencement semaine là. Arrestation étudiant t'es fait tout dans Harvard, Brown University, MIT, University of Michigan, à l'autre côté. Mouvement manifestation ça yo t'es commencé dans Columbia University dans New York, côté que t'es bail étudiant yo date limite à minuit. Yen a soir puis t'es retiré tout temps sous campus l'école là. Columbia University t'es vint tourner épicentre mouvement. Bon côté pas yo supporter pour Israël yo. L'autre monde qui était inquiété sous insécurité sous campus yo, t'es longé d'ouest sous plusieurs incidents antisémites qui t'a encouragé intimidation et discours haïssement contre étudiants et professeurs juifs. Yo. Manifestants étudiants ont dit qu'ils ont exprimé solidarité avec Palestiniens dans Gaza, côté que quantité de monde qui mourit a dépassé 34 305. D'après ça, ministère de Santé, territoire Hamas l'a fait connait. Peuple Israël a lancé la guerre contre attaque dans Gaza après attaque Hamas a été fait dans date 7 octobre là, qui a fait environ 1170 personnes qui étaient mouri d'après chiffres officiels israéliens. Militants Hamas ont pris à peu près 250 personnes en otage et peuple Israël a estimé que 129 personnes dans Gaza, il y a là-dedans 34 citoyens juifs aussi posés qui mourent. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté que secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et dans le cadre de Viréon, la fin dans la région Moyen-Orient. Jean-Robert Philippe et ben, rencontre sa fête et puis c'était occasion tout pour le secrétaire d'État américain lui-même pour te parler avec famille. Otage qui n'a mis à Massio et le dit pour yoguer et la foi à Jean-Robert. Donc c'est l'autre tournée encore, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui passe suspendre voyager. C'est peut-être même septième voyage dans la région Moyen-Orient. Oui, effectivement, c'est le septième voyage. Mes rencontres avec famille et quelques familles otages ont été importants, surtout les gens qui ont découragé. Mais en même temps, tout encourage l'administration américaine pour continuer à faire des efforts pour être capable d'aider ou bien rejoindre une libération otageux qui déjà gagné presque un peu plus passé 200 jours depuis en captivité. Mais le secrétaire d'État américain bon, qui insistait à ce que Hamas a dû accepter l'offre que Israël fait pour mettre fin à la situation ou bien encore libération otageux et puis tout pour que tu aies campé qui t'a dans le conflit. Alors, on a dit que le secrétaire d'État américain a retourné à Washington jeudi, probablement sans que le bâche de résultat qu'il était souhaité pour le terrain, mais quand même, il a continué quand même et les négociations ont continué quand même parce que M. Hamas a pu retourner en Égypte pour y avoir une réponse avec la proposition d'Israël faire. SOS USA! SOS USA! Bring your children home today! Bring your children home today! Famille otage israélien qui n'a même militant Hamas depuis 7 octobre passé organisé une manifestation devant hôtel côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré président israélien Isaac Herzog. Manifestant qui a gagné en main le drapeau israélien avec drapeau États-Unis, mandé à l'administration américaine pour mettre pression sur Israël avec Hamas pour jouer une entente pour libération otage avec un cessez-le-feu. Secrétaire Blinken has come as a responsible adult to make some sense inside the situation. Le tonton en captivité depuis 7 octobre passé, déclaré que le secrétaire d'État Blinken vient ici là comme un grand monde responsable pour comprendre la situation. Nous voulons remercier l'administration Biden qui a fait effort pour mettre fin à la situation otage à cause du gouvernement israélien avec Hamas pas capable de jouer un accord pour continuer.
Manifestants ont demandé pour otages retourner la caillou après plus passer 200 jours en bas main groupe militant Hamasio. Rencontre secrétaire d'État Blinken avec président Herzog là, c'est premier parmi une série rencontre avec leader israélien pour discuter façon pour permettre assistance humanitaire aller dans territoire Gaza. Dans le même moment, l'a demandé leader Hamasio pour yo accepter une proposition cessez-le-feu Israël fait pour libération otages avec une pause dans le conflit. I just had an opportunity to meet with some of the families of some of the hostages as I have. C'est le diplomate américain qui a rencontré les manifestants dans Tel Aviv, déclaré par les journalistes. Moi, je souhaite une opportunité pour me rencontrer membres, famille, quelques otages, tant que moi, je fais chaque fois que j'ai l'opportunité. Le président Joe Biden et l'autre collègue, l'objectif, c'est mener les otages retournés à une famille, libération des otages israéliens, dans toute action qu'on a essayé de poser. Nous pas proposer jusqu'à ce que garçons, femmes, soldats, civils, jeunes, vieillards retournent la caillou. Gagne une grosse proposition sur table là qu'on y est là. Hamas besoin de dire oui, nous besoin ça fait qu'on y est là même. Secrétaire d'État Blinken rencontre tout avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pendant visite là. Une rencontre qui déroulait environ un mois après président Joe Biden a lancé un avertissement sévère pour dire Washington capable de changer politique si Israël pas franchi étape nécessaire pour protéger civils, améliorer souffrance humanitaire et la sécurité pour le travail humanitaire. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Nous avons toujours dans la région Moyen-Orient pour nous dire que Gaza trouve une situation qui de jour en jour a plus compliquée. Et Nations Unies fait qu'on est que eh bien, pour nettoyer Gaza, ça a demandé un pile d'argent et ça a demandé un pile de temps. Gentil Augustin Junior. Après plus passer 7 mois la guerre entre l'armée israélienne et groupe unité Hamas dans Gaza, chef programme action mine Nations Unies dit pour nettoyer Gaza, ça a coûté plusieurs centaines de millions de dollars et puis prend plusieurs dizaines d'années. That statistic of 14 years was et statistique 14 l'année ça, c'est pour nettoyer débris dans Gaza. Côté gain 37 millions de tonnes, si n'a utilisé 100 camions. Mais ça c'est pas pour nettoyer bombes qui pas explosé yo. Concernant contamination, nous suspecte li, mais nous pas capable faire une évaluation. Qui donc nous pas certain point ça contamination pral très important et nous comme un secteur pral certainement besoin plusieurs centaines de millions de dollars à plusieurs années si c'est pas plusieurs dizaines d'années pour nettoyer Gaza. Attaque militaire l'armée Israël là contre groupe armé Hamas là réduit en pile territoire étroit de Bolan Meya qui gagne 2,3 millions monde comme un désert côté pifo civil yo pas gain caille pour yo rete yo nan grand goût et yo en bas menace gros maladie. Charles Birch chef service action mine Nations Unies UNMAS dans territoire Palestine te expliquer situation Gaza trouvée dans moment. The situation in Gaza is unprecedented. Dans contexte Gaza, situation sans pareil. Gaza gen plus de comb passé Ukraine. Et puis pour mettre en perspective, champ de bataille ukrainien gen yon longueur 600 000 alors que pa Gaza c'est 25 000. Gen 37 millions de tonnes de débris dans Gaza. Problème nettoyage Gaza c'est youn, mais gros maladie qui pendie sous tête population Gazaoui a à cause bombe qui pas explosé yo, c'est un gros problème d'après Charles Birch. Until we've been able to get access to the north. Tout temps nous pas gain accès nan noa et puis nous pas ka fait une évaluation, nous pas certain niveau contamination. Cependant, histoire secondaire yo si géré, li exceptionnellement lou nan nord Gaza. Équipe nous te rencontré, bombe qui pas explosé pendant mission yo nan noa et nous croit que ça pral un gros problème dans l'avenir. La guerre a te commencé ak yon invasion choc groupe Hamas là nan sid Israël, côté militant yo te touye 1200 moun et kembe 240 en otage. D'après les statistiques israéliennes, jusqu'à présent, gagné nan otage yo qui toujours nan men groupe armé Hamas la malgré négociation k'ap fèt pou yo ta joine yon trêve nan la guerre sa. Sou bon pa autorité santé Gaza groupe Hamas ap dirije, au moins 34 305 palestiniens déjà mouri ak 77 293 blessés nan offensif militaire israélien nan Gaza depuis 7 octobre 2023. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et autour de sauvé au Créole, merci d'être que au branché et nous saluons tout le monde qui branché dans moment ça. Nous voulons saluer de façon spéciale Foucault qui toujours lui-même là avec nous au sauvé au Créole. Merci d'être branché. Et oui, nous au travail, et bien je dis à mes amis, c'est travail tout partout dans le monde, et bien ils manifestent pour demander plus bonnes conditions de travail. Sandra Lemaire.
Travailleurs et activistes tout partout dans le monde ont marqué fête travail là, 1er mai, avec manifestation largement pacifique. Côté où tu as protesté contre le prix produit qui a augmenté et puis demandé plus de droits pour travailleurs. Monte Kawepan 4 qui exprimé solidarité pour Palestiniens et autour. Dans Istanbul, la Turquie, la police t'est servie à gaz lacrymogène et puis balle caoutchouc pour disperser plusieurs milliers de monde qui t'ont essayé d'écraser aux barricades pour arriver sur place principale Taksim pour défier interdiction autorité. Le ministre intérieur a dit la police arrêtée au moins 210 personnes. N'a pas rappelé que 1er mai, c'est jour côté monde, célébré droit travailleur. C'est tout une opportunité pour exprimer doléances économiques à politique. Dans Paris, la police lançait gaz lacrymogène sous plusieurs milliers de manifestants qui étaient défilés dans la capitale là pour demander plus bon salaire à conditions de travail. La police dit qu'il y a 12 policiers qui sont obligés à prendre soin à l'hôpital après un explosif que le monde fait la caille, était sauté sous côté Macha. Il y a 29 personnes qui ont arrêté. Pendant ce temps, un groupe de manifestants mettait du feu dans le cercle olympique qui était fait pour montrer Jean yo pas content que Jeux olympiques été yo pour le dérouler dans moins que 3 mois. Syndicat Travail français a lancé avertissement pour dire travailleurs qui ont fait grève pendant Jeux olympiques yo, si gouvernement pas compensé moun assez pour travail yo obligé fait pendant saison vacances été yo. Alors, c'est une catastrophe sur le plan démocratique, sur le plan social et sur le plan écologique. Alors oui, ici en ce 1er mai, journée de lutte internationale, nous ne nous laisserons pas faire. Monsieur décrit situation politique la France tant qu'un désastre et il dit au pape quitter autorité yo brusculé yo. Dans le Liban, manifestants pro-palestiniens étaient mélangés avec travailleurs qui t'ont demandé une fin à la crise économique qui rend la vie difficile. Les dix premièrement, femme féliciter tous les travailleurs dans le monde aujourd'hui, c'est jour n'est pas. Mais ce qui a passé Gaza, c'est vraiment une catastrophe. Et puis un massacre Israël a fait contre les Palestiniens. Et puis il a fait répression contre les travailleurs et puis empêché de jouer droit. Non seulement ça, il n'a pas protégé la vie. Fait travail là a commémoré Anissa pendant que Israël a poursuivre la guerre contre Hamas dans Gaza. Ça la cause tension sous frontière Liban, partagée avec Israël, augmenté tout. Militants Hezbollah ont commencé à attaquer poste militaire israélien le 8 octobre, qui se joue après militants Hamas palestiniens ont lancé attaque surprise contre Israël et pitouillé 1200 mouns. Ils ont pris un lot 250 mouns en otage, ça qui a déclenché la guerre qui a continué aujourd'hui. Pour finir, dans la ville de Séoul, capitale Corée du Sud, plusieurs milliers de manifestants ont pris la rue et puis chanté slogan pro-syndicat travail pendant une manifestation organisateur ont dit visait augmenter critique yo contre politique anti-travail président Yoon Suk-yeol à gouvernement conservateur lié à poursuivre. Monsieur dit tout le monde dit système emploi et structure industrielle pour changer tout à l'heure. Ça va nous gros qu'à sauter que le gouvernement a essayé de faire nos faits back et que les travailleurs ont souffert à cause de ça. Manifestation comme ça a été déroulée dans 10 villes en Corée du Sud. La police fait qu'on a mobilisé plusieurs milliers de policiers pour maintenir l'ordre là et que pas de aucun acte de violence. États-Unis pas fêté fête travail 1er mai, li fêté travailleurs palio, travailleurs américains plutôt dans fin mois de septembre. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis dans le pays d'Haïti, d'après ça que correspondant nous sous place constaté par grand Kensin qui montrait que il y a célébré fête 1er mai qui s'est fait agriculture et travail. Et puis chambre commerce américain haïtien Floride organisé une rencontre de jour pour aider population à joindre bon gens information pour ouvrir une activité dans l'état. Nous gain sous place Pierre Renel René depuis Miami. Sous initiative Chambre commerce Haïti ak Américaine en Floride, FIU Université a accueilli week-end passé à conférence de jour ça sur comment opportunité pour moun faire business dans zone Floride là. Intervenant yo nan domaine tant kou finance, intelligence artificielle ak gouvernance te composé panel yo devant yon assistance en majorité composé ak entrepreneurs, jeunes qui intéressé vin faire business, organisateur yo atteint objectif là. Président Chambre Nandil satisfait. Année passée nous songe nous te vin là, nous te fait yon même conférence ça, mais conférence là c'est différent de ça que nous gagnons aujourd'hui parce que gagné innovation, gagné le bagage qui passait. Donc moi, ça c'est me content, me fier de monde qui est venu participer à programme ça que fait aujourd'hui. Pendant le salut, j'ai fort énergie qui était consenti pour rendre possible événement ça. Directrice exécutive la Soubopal félicité choix intervenant yo qui était révélé yo excellent pour occasion à madame Nadia Assid estimé lui-même tout qui c'était une réussite. Many people came up to us and said that they learned so much and that they are ready to pay next year since this was a free event. Li promet pou bay suite ak l'idée qui dégage dans deuxième édition conférence là, édition ça te bay occasion pour artisans yo expose zèv yo, yon nan nouveauté année.
il y a un client qui vient là, donc il était très content que ça ait rappelé lui de mémoire qu'il a gagné en Haïti. Donc c'est tout à fait, donc on a dit satisfaction, mais c'est jusqu'à 100%. Hein. C'est une très belle expérience pour moi-même qui fait commencer ici hein, dans la diaspora avec Produit Nouveau. Le public a vraiment répondu et nous avons une information qui a aidé nous grandir business dans la communauté comme ça. Participants et au package et satisfaction et pour deux jours, brasser l'idée conférence là, côté où apprendre comment faire grandir et monter business. Yo. Yon après l'autre, yon félicité et exprimé satisfaction pour qualité, intervention yon ak organisation événement. La conférence était très bien, elle était très éducative. Et je pense que y a un pile leader qui dans la communauté qui a participé à la conférence, qui a bâti perspective. Je m'apprends un pile sur le leadership là. Je prends un pile sur ce besoin pour gagner du succès, leur créer une compagnie, soit faire entrepreneurship, et qui compétences qu'on besoin. Et je prends que la relation avec l'autre monde très important. Je vais regarder plus que nous, et si nous descendons plus bas, et qui est plus avantage que nous avons gagné pour l'entreprise. Week-end conférence, ça, c'était le moment pour Chambre commerce haïtiano-américaine en Floride renouveler l'engagement pour continuer à accompagner le secteur business dans la communauté floridienne à cause de manque d'informations. Mon yo en pile fois passé à côté opportunité et ça offre une créer business. Moi c'est Pierre Onel René depuis FIU Université dans nos Miami pour VOA Creole. Pratiquement arrivé dans la fin du programme, mais nous ne pouvons pas aller sans ne pas souhaiter un joyeux anniversaire à Pi Ancien Quotidien qui gagne dans le pays. L'autre information que nous portons pour, eh bien, il faut qu'on ait un dossier vivant ensemble, n'est-ce pas chômé, n'est-ce pas continuer à faire attaque malgré tout le détail pendant le conseil là, lui-même là, il n'en bouge pas goût, eh bien, vivant ensemble tout, il n'y a pas campé, vivant ensemble, il envahit dans la zone à Port-au-Prince, aïe, soit mercredi. Nan soirée a li même pour premier meilleur situation ça qui était compliqué en pile pour population qui risque passer mauvais moment en bas mes gang yo côté yo passé mauvais nuit il oxagolo ayo yo même c'est coup population t'a relé et même yo té déjà dans zone ça yo a bail problème côté la vie a vraiment paraît difficile pour peuple haïtien dans dernier moment ça yo là qui n'a vivre dans là et bien en même temps tout nèg exam ça yo té attaqué un autre fois encore Solino avec zone qui entouré yo même gens yo même yo té tenté faire plusieurs fois pendant année 2023 qui sont passé là di exam yo même yo attaqué plusieurs zones ta Solino Delma 24 avec na zone la nuit mercredi soir qui était 1er mai qui saute passé là et ben en conséquence selon diverses vidéos qui partagé sur réseaux sociaux plusieurs dizaines de monde té obligé quitter zone ça yo et ben yon façon pour pas de victime en bas mais nèg exam ça yo c'est une attaque qui té commencé nan neve nan la nuit 1er mai qui saute passé à la côté balle par suspend chanté et spécialement dans Solino avec Delma 24 pendant ça habitant dans zone ça yo même yo pas suspend lancé SOS pour la police puisque la pérèse continue envahir population dans zone ça yo pour qu'on y a là et bien pas gain aucun bilan sur monde qui t'a perdu la vie yo dans attaque si là mais n'a fait connaître tout divers l'autre tout près aéroport tout c'est l'ouverture là les mêmes situations les mêmes il pas différent arrivé juste matin jeudi jeudi qui 2024 là et l'autre côté groupe résistance dans Solinois eux même ils fait tout monde connaît tout autant yo là il y a toujours campé goumé pour zone noire qui donc pièce bandit pas capable faire yo courir quitter zone là et bien après le Solino a un gros groupe résistance qui a toujours campé goumé résister avec nèg sa yo n'a souligné 25 avril qui s'est passé là zone nous cité yo tant que Solino Delma 24 bandit a exam té rivé sacaré plusieurs côté là-dedans yo après installation conseil présidentiel transition nan palais national avec nan la primati nan Villa d'Akei en pile moun té soti blessé nèg exam yo tout té profité boulé kay moun yo tout de suite après attaque si là et bien si tout dans zone Delma 24 là les n'ra plus barbecue té dit pour nèg yo même yo touché pour tête yo et bien nèg yo té tout profité moment ça yo même pour yo té fait plus dégâts dans ça qui gagne pour avec attaque qui a mené. De l'autre côté la police reprend contrôle route qui mené dans terminal Varia et bien depuis 12 jours là après toute activité dans terminal Varia yo même yo té campé à cause des nèg exam té bloqué route yo et bien la police lui-même rivé reprendre contrôle route qui menait dans centre
scotage gaz là qui donc selon journal les nouvelles et bien qui sont fêté 126 l'année de existence dans le pays d'Haïti et bien depuis hier mercredi 1er mai police nationale d'Haïti yo même yo mette dispositif devant terminal plusieurs blindés la police était devant terminal varia yo te fait passage là et puis yo te doit rester dans même position ça d'après parole journal là les mêmes qui sont fêté 126 l'année pendant journée hier là et bien li rapporté yon l'autre botou yo fait connait que activité distribution gaz même yo visé fait pendant journée jeudi qui c'est 2 mai 2024 là puisque gagné 200 000 barils produits pétroliers les mêmes qui sous l'eau et puis qui t'a doué arriver jodi a même nan dizè nan matin ki sot passé la ki donc moi ben vidéo a c'est pita mais nan depuis nan dizè nan matin selon sa journal la fait konnen et bien gaz yo ta supposé déjà a distribué pendant ça toujours gen doute sur livraison gaz là malgré présence la police et puis même si pata gen affrontement entre force l'audio avec bandi examio et bien nan jou passé yo là jusqu'à présent responsable yo même nan la police avec tout monde k'ap géré communication pour terminal vario pour ko di rien sous dossier ça li même qui t'est passé d'ailleurs dernier détail sur gaz qui t'est sorti nan pi gros centre scotage pays al même ni gagné côté c'est là nous gagné qui pi gros côté gaz yo même yo ka stocké et bien gaz pays al même li t'est fait nan date qui t'est 18 avril 2024 là sous compte Twitter yo et bien côté yo même yo t'est fait quoi que nan centre stockage ça Winsco et bien li même li te gagné 158950 gallons diesel avec 354850 gallons gasoline et bien ça qui t'a pral bay yon a fait des 61 camions citerne qui sorti nan espace là quoi li là nèg examen yo pas chômé et bien la police malgré le prend contrôle là ou capable li pa paraît trop aussi facile pour livraison gaz là li même li ta fait nan pays a parce qu'il nèg examen yo même yo pa jouer sous position inex a continuer à bail la police là bail population gros pression famille Lavalas di choix avant hier qui t'ai fait là là c'est complot PHTK pour continuer kembe pouvoir dans tête pays nan note que nous te li côté parti politique famille Lavalas yo même yo te rendre public hier mercredi 1er mai 2024 là que yo considérer ça qui t'ai fait avant hier ou qui t'est 30 là dans conseil présidentiel là comme yo mascarade à complot pour garantir PHTK ak alelio pour yo kembe pouvoir transition selon yo même ça fait dans l'idée pour continuer tradition corruption peuple a bouqué souffrir pendant bandi légal ak alelio même yo profiter sous dole c'est ça qui t'est écrit dans notre famille Lavalas là parallèlement dans même note si la famille Lavalas t'est profiter ça lié architecte li qui c'est Leslie Voltaire pour courage li avec ak deske li même li bay tout li même mettez sous ça yo te souligner tout tolérance qui gagne et puis effort qui pour fête pour rassemblement pour joindre un vrai consensus en faveur réussite transition et puis retirer population nan mal cité qui li même la vive dans dernier jour ça yo là organisation parti politique famille Lavalas salie quoi population k'ap vivyon l'enfer sous tes ancêtres li yo même témoin qui était pour yo yon transition qui viré do bay côté ces bandi yo même qui vinn légal plus a vinn dépafini pays ya pendant bandi yo même yo légal nan bien nan pays ressources l'état avec bay peuple là yon ti crasse d'espoir d'après ça yo même yo té ajouté et bien yo même yo dénoncé choix président conseil là les même qui était prend premier ministre qui était fait avant hier qui était 30 avril 2024 là sur l'autre bord même gens avec famille Lavalas n'a pas connait bio suivi à Komundana qui gagne en tête ancien sénateur Youi Latotil même il était fait connait choix premier ministre Fritz Belize a fait dans violation principe majorité à les même qui était établi dans accord 3 avril 2024 côté eux même était fait selon constat li fait quoi volonté quelques dirigeants politiques c'est pour prendre pouvoir pendant période transition hein et bien dans l'idée pour favoriser parti pour prochain élection qui prévoit fête dans temps cap vini là et bien compromis historiquement des majorité a pour yo raler koyo dans décision si là c'est ça ancien sénateur Youi Latotil même li déclarer li même mandé pour toute l'autre partie concernée même pour déposer pièce
pour choix premier ministre là lui-même li ta fait dans cadre processus candidature. Et bien pour finir famille Lavalas tout le même li t'envoyé j'étais avec toute force li cérémonie qui était faite 30 avril 2024 là puisque il était estimé que c'est une trahison qui fait dans journée et bien parce qu'il mentionné lui-même il aurait été maconné avec revendication peuple là pour un autre l'état. Pourquoi il est la revendication peuple là, il pas parler de aucun conseil que nous met là qui déjà qui t'a boumé. Revendication peuple là même c'est Guy Philippe yo mandé yo pas gain pour avec dossier conseil là. Si gon l'autre petit parti qui parler lui même il pas mandé Guy Philippe mais lui même là aller dans cour de cassation à faire bagaille ceci c'est là qui Marise Nassi ça met dehors comme parti la valas là lui même. Eh bien c'est pas bagaille peuple. Alors c'est tout bon, il pas gagné pour louer qui mal mais il pas bagaille peuple. Non Fo Liberté, bien Bureau National Éthologie yo même yo condamné Zack Maït Pinay, yon directeur l'école Fo Liberté li même li fait sur un petit monde parce qu'il te prend loi dans l'école là. Nan yon communiqué que yo te mette de yo lundi qui te 29 avril 2024 passé ya. Bureau National Éthologie condamné comportement yon directeur l'école dans Fo Liberté qui maspiné yon élève parce que loi te monté pendant le tap suivre coup dans classe là, mais qui côté loi ça sorti même c'est l'école là pour t'aller nous pas connait. Et bien Bureau National Ethnologie qui c'est BNE yon condamné à toute force comportement qui révolte moun directeur l'école Fo Liberté a sur yon l'école mais tout sous religion vaudou en Haïti. C'est ça nous t'es capable li nan commencement notre si la BNE. Et bien quoi jouer avec maltraiter yon moun sous base religion li c'est violation droit moun et puis liberté religion qui c'est un droit fondamental. Et bien comportement direct ça c'est un zak malhonnête contre vaudou, c'est un soufflette tout contradiction nation haïtien toujours d'après communiqué si là même yo mettez de l'autre bon BNE pendant li présenter solidarité avec élève ça mandé ministère religion ministère éducation nationale avec formation professionnelle avec institut bien-être social avec recherche pour protéger ti moun ça avec tout l'autre monde cap grandi dans religion vodou mais nous doit gen gros décision légale qui prend compte direct ça qui c'est tout yon pasteur c'est comme ça BNE li même li té fini dans communication si là n'a rappelou. Et bien dans yon vidéo qui circule sur réseaux sociaux depuis quelques jours là nous pas quoi yon direct l'école qui t'a bat yon tifi et puis jouel parce que yon l'esprit vodou li même li té monté li dans salle de classe là. C'est pas premier élève qui victime zak malhonnête ça yo en bas mais directeur l'école avec professeur responsable yo même yo doit prendre gros disposition pour capable fini avec ou bien pour bagaille comme ça pas ta répéter. Selon ça yo même yo fait connait mais elle est condamné zak ça juste dans jour. Et bien élève si là li même qui ta l'école la vidéo cap fait quoi que c'était diable qui t'a monté. Et bien professeur qui c'est un pasteur vient faire le voler en bas coup de Saint-Yon dans l'école là. Et bien ça a révolté en pile monde pendant en pile monde tout même yo pas trop dit rien sur décision si là qui donc bagaille vous doit bon nous pas connait pas fait trop détail mais c'est comme ça ça passé dans Fo Liberté côté directeur l'école là fait élève là voler en bas coup de Saint-Yon parce que c'est loi qui t'a monté en dedans salle de classe là. N'a quitté nouvelle si là pour nous traverser dans pays États-Unis. Pays les États-Unis, et bien une nouvelle insolite qui passe dans état Houston. Qui ça qui passe? C'est un employé restaurant un gros problème pour qu'elle est là avec dossier la justice. Et bien c'était après elle te fin mettre parti génitali dans yon manger. Le monde pap suspend nous avec yon qualité de histoire insolite. Et bien pourquoi elle est là ça passe dans ville Houston aux États-Unis. Gen yon employé restaurant qui rivait déposer parti génital li nan yon manger moun ap manger. Et bien j'ai ça yo t'a pral mettre main sous téléphone li. Et bien après yo vinn découvrir que li même li c'est yon prédateur sexuel. Mes amis nous mêlé. Et bien qui nom monsieur? Monsieur li même li c'est Otello Holmes. Et bien yon nom monsieur qui gagne 27 l'année. Et bien l'a fait face avec la justice pays États-Unis tout de suite après le fin mété pénil nan manger nan yon restaurant côté lui-même l'a travail. Et bien yon enquête té l'ouvri sou li ça qui t'a pral mené yo saisi téléphone ni c'est là yo t'a pral connect. Et bien avec qui qualité prédateur sexuel ou même yo tap travail ou bien yo té en affaire problème grain nan manger. Et bien c'est petit problème devant ça l'a
affronter avec la justice. Pourquoi elle est là, monsieur? Pourquoi elle est là? La confronté gros problème avec justice pays les États-Unis. Selon KPLC, eh bien Otello lui-même li gen 5 chefs accusation sous doli qui mêlé possession pornographie juvénile avec agression antécédent restaurant côté problème ça lui-même li te commencé déjà craser yon quitté ça avec Otello Holmes yo traité de pédophile dangereux nan yon note que yo même yo fait sorti 4 avril qui s'est passé là directeur restaurant qui c'est culture na Houston dénoncé jeune garçon ça by autorité pour zak si là lui-même après il était découvert dans image vidéo surveillance et ben hôtel te reconnaître il était metté pénil dans un gelé mais il était campé avant même il était éjaculé et bien le fait qu'on est il était déjà retiré il pas quitter éjaculé et il fait qu'on est tout il reconnaît tout il gain problème avec pulsion sexuelle et depuis nan temps passé il s'était comme ça et puis il mandé aide pour ça 15 avril il était d'accord yo fouiller téléphone ni dans cadre enquête que autorité yo même yo t'a mené côté autorité yo dit yo bien content tombé sous image ça yo et puis enquêter sous monsieur parce que yo joine nan téléphone li li horrible ça t'est fait yo joine tout yon mandat pour te paraître devant juge pour ça que yo même yo décrit ta coup pornographie juvénile yo même penser li te kon maltraité jeune yo et ben nan yon certain moment bagay yo pa paraître 12 même yo tombé sous plus passé 100 images avec 5 vidéos gagné yon capti écran côté yo joine Holmes li même k'ap déclaré Jean Lremé gen accès avec Timoun yon image et bien côté yo jwenn nan image sa yo gen miné Timoun piti kou adolescent ki nan rapport se et nan même sa tout nan téléphone ni gen yon image ki gen prédateur li même k'ap caresser tête li ki donc li pendant li couché bon côté yon Timoun ki gen environ 6 l'année seulement côté par restaurant et bien yo te fermé tout service yo même jour si là ça te passé en plus yo te jeté tout manger yo personnel cuisine yo même nettoyer avec stériliser tout matériel y a servi yo déclaré yo pas au courant des actes inacceptables que Holmes li même li tap commettre là et bien li même qui pas marcher avec l'ordre conduite yo fait qu'on est tout yap amélioré système caméra surveillance qui yo même yo gagné dans restaurant si là pour kounya là hôtel Holmes li même li fermé dans Harris Country et bien yo fixé yon caution li même yon a fait de $50,000 vet pour chef accusation pornographie juvénile que yo même yo ta meté sur citoyen si là pourquoi li là nous pas konn ki côté monde là pour aller chaque jour ou attendre yon nouvelle information qui donc comment nèg la sortil pour al fouri a fait l'en manger bon finalement ces problèmes il fait qu'on est lié problème ça depuis n'a passé c'est pas un bagage qui arrive pour la première fois qui donc depuis avant il était un petit mess avec quelques bagages qui pas ta fin marcher trop bien dans lui même pas bon côté pas nous dans pays d'Haïti et bien n'a faut qu'on est bon pour pas du pays d'Haïti à toute chaîne internationale là dans tout pays qui est haïtien du monde et bien gagne un nouveau campagne qui lancé là pour international haïtien dans lui même qui a fait un bon moment dans football européen n'a parlé de Melchi Dimoné Coventina et bien gagne capable qui lancé là pour lui capable faire 1 million followers et bien ou capable joindre Melchi lui même Dimoné ou capable aller sur Facebook de pour écrit Melchi Dimoné avec Instagram ou joindre Dimoné tiré Coven et bien follow li yon façon pour si international haïtien nan ki se ti moun ki leve mi ou ale la kap jwe nan football féminin ki kalifye pou la fè final face équipe Barcelone féminin nan nan jou kap vini la nan peyi Espagne directement nan Bilbao et bien tout moun ki se haïtien al sou Facebook marqué Dimoné Melchi écrit Melchi avant Dimoné et bien pour capable suivre li et al sou Instagram tout pour écrit Dimoné
tirer Covent pour capable croiser avec Coventina yon façon pour nous capable lever joueuse noire qui c'est gloire pays d'Haïti qui a fait gros effort dans football là en Europe dans moment ça yo là li déjà qualifié pour la jouer finale Ligue des Champions bon côté femme bon côté garçon yo yon ti passé tout petit sous sport n'a pas connait équipe Bayern Munich là t'ai fait nil DD avec équipe Real Madrid là côté yo rien pour faire retour dans Santiago Bernabeu à côté Real pour recevoir Bayern pour définir qui est-ce qui va aller en finale là l'autre côté à Borussia Dortmund lui même qui doit recevoir Paris Saint-Germain il va les battre 1-0 pourquoi il est là Paris lui même lui gagner pour recevoir dans Parc des Princes là match retour pour connait qui est capable passer Dortmund qui gagne un pied en dedans mais pas oublier Dortmund c'est lui même qui va en déplacement pour fin jouer face là Real lui même la recevoir Bayern Munich côté il était fini DD et bien on va le connait entre Real Bayern Paris Dortmund qui est-ce qui va aller pour faire grand finale là 1er juin qui vini là et bien c'est ça nous te gain pour nous avec ou dans football là mais pas oublier à suivre Melchi Dimone lui-même yon façon pour le capable faire 1000 views li va le gros finale première fois dans toute histoire soit garçon pour haïtien qui va jouer finale coupe du monde et bien il mérité pour nal bal love là. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous ca faire ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et pour ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter le pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde que tu t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou abonner ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.